Et coucou! Je sais pas dans quel sens vous allez être, je vous retrouve pour un petit haul action. Du coup, vu que ça, j'ai pas trop de morale, du coup, je suis allée faire un tour et j'ai bien fait, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, au début, j'étais allée action juste pour acheter du scotch pour mes différents envois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envoyé 3 colis et il m'en manquait pour encore 2 colis qui devront partir semaine prochaine. Donc, du coup, je vais du scotch. Mais forcément, je ne suis pas ressortie de chez Action qu'avec un rouleau de scotch, hein? Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc, il y a un petit peu de tout. La première chose, j'ai pris ces boîtes-là. J'en ai pris 3. Pourquoi j'en ai pris 3? Bah, parce que c'était à moins de 2 euros. Et du coup, bah, j'ai dit, allez, je les prends. Il me plaisait bien. Donc, vous savez, c'est pour faire des différentes, normalement, différents montages bah, dans une boule. Un peu style Noël avec un socle, vous savez. Sauf que moi, j'ai pris essentiellement pour les chipboards en bois. Voilà. Pour pouvoir les réutiliser différemment. Voilà. Et puis, donc, le cône ou la boule en verre n'est pas perdu, hein. Je peux la transformer pour autre chose. Donc, le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà. Donc, j'aimais bien l'idée de la maison. Donc je ferai, comme je vous dis, je ferai autre chose avec. Il y a aussi un lampadaire qui est très joli, un sapin. Donc voilà. Et puis la boule. Voilà. Donc celui-ci. J'ai pris celui-ci. Donc il y a un sapin plutôt découpé. Il y a des animaux, il y a une biche, il y a un renard. Voilà, donc j'aimais bien l'idée. Et là par contre, c'est pas forme ronde, c'est une forme un petit peu dôme, mais de forme triangle. Voilà. Donc celui-ci. Voilà. Et le troisième, il y avait celui-ci. Voilà. Donc j'aimais bien avec le sapin, les flocons, la petite voiture. Donc là, c'est un dôme de forme arrondie. Hein. Voilà. Celui-là. Donc voilà, c'est le prix qui m'y a fait prendre. Hein. Je me suis racheté des sequins parce que j'ai fait pas mal de checkers et je me suis rendu compte. Eh bien que mes sequins diminuent. Donc j'ai pas trouvé les couleurs que je voulais. Enfin, voilà, il y a encore 2, 3 couleurs qui me manqueraient. Parce qu'il y a plus de couleurs que j'utilise que d'autres. Donc j'ai pris dans les teintes de vert et bleu, comme ça. Voilà. Alors je suis désolée pour la luminosité. Hein. Il fait vraiment pas beau. J'ai pris dans les teintes de orangé et marron. Dans les teintes de rose. Et dans les teintes de rouge. Voilà. Donc j'ai refait plein de ce cas. Voilà. J'ai repris des petites lumières. J'en ai pris 2 sortes différentes. J'ai pris 2 boîtes de 20 LED. Donc ça, c'était dans le rayon Noël. Dans le rayon Noël où je suis allée, bah, c'était une catastrophe. Hein. Ils ont été dévalisés. Donc voilà. Et j'ai pris 40 LED comme ceci, mais là on a plutôt de la lumière autour d'une corde. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc j'essaierai d'y mettre dans ma crèche pour faire une lumière supplémentaire. J'ai trouvé ceci. Je n'y ai pas trouvé dans le rayon scrap, j'ai trouvé dans le rayon Noël. Voilà, ça traînait, du coup ça m'a plu, j'y ai pris. C'est des glitters. Donc dans les teintes de rose, noir, blanc et doré. Voilà, donc il y a différentes. Alors là, on les voit tous. Donc il y a des petits ronds comme ça. Là, il y a des paillettes plus fines, donc de chaque couleur, hein. Et puis là, il y a des paillettes, mais un petit peu plus grosses, un peu plus conséquentes. Voilà. Hop, voilà, là, vous les voyez mieux. Voilà, donc ça m'a plu. Donc j'y ai pris. Dans le rayon scrap, il n'y avait pas. Je me suis repris du acrylique finish comme ça, brillant, gloss. Voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait le petit embout comme ça. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, dans le rayon, j'ai trouvé ces petites choses-là, des décoratives cristal. Donc, il y avait du rose, du vert et du jaune. Moi, j'ai pris blanc. Donc, il y a 3 tailles. Il y a les plus conséquentes ici. Il y a les moyennes là. Et elle est plus petite là. Donc je suis désolée, au niveau de la lumière. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. En plus, c'est bien rangé dans des petites boîtes. Donc impeccable. J'ai pris ça. Oups! Des After 8. Mon mari adore ça. Donc du coup, j'ai pris une boîte. Voilà.
J'ai pris ça, des Mao-Am, mais c'est pas pour moi, pour mes neveux et nièces. Donc c'est des grands-enfants, ils sont... J'en ai deux nièces qui sont adultes et deux ados, un garçon et une fille. Ils sont grands, mais ils aiment encore les bonbons, donc je voulais leur faire une petite pochette pour leur mettre un petit chèque à l'intérieur. Voilà, vu que c'est Noël, je leur ai fait un cadeau, mais bon, je vais leur mettre quand même une petite enveloppe. Donc l'enveloppe, je vais la faire moi. Je mettrai le chèque et puis je leur mettrai un ou deux bonbons chacun. Ils seront contents. Voilà. Et pour finir, j'ai trouvé ceci. Je vais enlever le sac, me gêner. J'ai trouvé ces blocs-là. Donc je ne vais pas tous vous les décrypter. J'en ai pris quatre. Il n'y avait que ces quatre références dans le rayon. Rayon scrap. Là, on est au rayon scrap, on n'est pas au rayon Noël. Donc voilà ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc il y a différentes planches de stickers ou die-cut. Ce sera peut-être mieux que je vais les ouvrir. Parce qu'après, je vais les re-ranger comme je veux. Ce sera plus simple. Donc, vous avez trois pochettes. Donc, dans la première pochette, vous avez donc les tags. Alors, vous avez les stickers. Voilà, qui sont très sympas. Voilà. J'espère que vous les voyez bien, parce que du coup, je me suis assise. Voilà. Hop, voilà. Vous avez les tags. Ouais, c'est bon. Hop. Et vous avez des petits papiers. Ça doit être du format. Alors. Hop. Format A5, je pense. Ouais, du format A5. Voilà, donc différents motifs. Voilà, donc très sympa. Très sympa pour des petites créas. Voilà, et puis sur l'arrière. Ouais, ça va. Parce que je me suis assise. En fait, tout à l'heure, j'étais debout et là, je m'étais assise. Donc, c'est pour ça que je ne voyais pas. Donc, voilà, vous avez ça. Vous avez de la corde et des petits chipboards White Love. Voilà, très sympa. Vous avez tout ce qui est die cut. Donc, là, les die cut, il y a de quoi faire. Que je les dépiote et que je les range comme je veux. Moi, je range tout après. Je laisse pas comme ça. Voilà. Et après, quand je fais une créa, je sors tout, j'étale sur la table et après, je vois ce que j'ai besoin. Voilà, très joli celui-là. Alors, je sais pas si vous les avez bien vus. Hein. Très, très sympa. Voilà, très très joli, j'aime beaucoup. Il y a des systèmes pour faire des petites maisons en boîte. Donc ça c'est sympa aussi. Pour faire des petits cadeaux. Et après vous avez la pochette avec les formats A4. Des papiers imprimés. Voilà. Et un fond un peu aquarelle, c'est sympa. Je pensais pas tomber là-dessus, puis du coup bah j'y ai pris. Voilà, j'avais besoin de m'évader, j'avais besoin de sortir, de voilà, pas forcément voir du monde, mais voilà, bouger, parce que rester à la maison, je pense que c'est ça, il y a un peu ça aussi qui m'agace. Voilà. En fait, pour les nouvelles arrivées, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles abonnées, je suis en chômage partiel depuis le mois de mars, et si vous voulez, bah là, j'ai su avec mon boulot que j'étais en chômage partiel jusqu'à la fin 2021. Donc moi, j'aime bouger, j'aime voir du monde. Voilà, moi, il faut que ça vive. Et rester chez moi, bah, ça commence, je pense, à être un peu compliqué. Et puis bon, il y a d'autres choses aussi, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Enfin bon, voilà, pour les nouvelles arrivées, d'ailleurs, je vous remercie les filles. D'être de plus en plus nombreuses à vous abonner à ma chaîne. La chaîne, elle continue, bah, grâce à vous. Voilà, je le dis pas souvent, mais voilà, grâce à vous, ma chaîne continue. Et puis moi, ça me fait du bien, voilà, de partager ce que je sais et puis d'être avec vous. Voilà, tout simplement. Donc le suivant, bah du coup, je vous ai montré le Papercraft 7. Donc là, c'est le rouge. Voilà. Donc dedans, il y a ça. Je vais vous montrer un peu plus en détail, hein.
Alors, première pochette. On a. Donc, on a des formes rondes comme ça, avec des petits. Des découpes en fait à enlever. Donc, vous voyez, ça fait une. Voilà, c'est sympa. Ça fait un peu. Ouais, c'est sympa. Après, on peut récupérer ça, bien évidemment, pour mettre sur une créa, c'est pas perdu. Donc là, on a plutôt sapin avec des étoiles. Alors, je vais en enlever une pour vous montrer. Voilà, un petit peu l'idée de l'étoile. Voilà. Là, on a des flocons. Hop, comme ça, vous voyez bien du coup. Voilà. Et ici, on a Cozy Winter. Voilà. Bon, je trouve ça sympa. Voilà, c'est pas vilain. Là, on a de la fausse neige. Donc ça, c'est pas perdu. Hein. Voilà. Ça sert toujours. Ensuite, on a les stickers. Planche de stickers. Voilà. Hop. Et là, on a les papiers. Donc, format A5. Voilà. Donc, je vous les montre rapidement, parce que je suppose que... Recto verso, ce que je suppose que vous avez dû peut-être déjà aller voir dans des hauls. Donc ça sert à rien, peut-être que je mette un peu plus de temps à tout vous montrer. Là on a tout ce qui est donc die cut. Voilà, très sympa aussi. Donc il y a des choses qui peuvent servir pour Noël et d'autres pas. Hein. Après à voir. De toute façon, je vous dis bien, je vais tout ranger, je vais tout dépiauter, je vais tout mettre d'aplomb. Et puis dans les trucs Noël, et ben, j'y mettrai dans les trucs Noël. Et puis dans les trucs soft, ben, j'y mettrai dans les trucs soft. Comme par exemple, apparemment, il y a 2-3 trucs un peu dans le style, je dirais, automnal. Donc voilà, c'est pas vilain. Donc du papier comme ça. Voilà. Et des petites maisons. Ils sont bien sympas. Je suis en fond dans les maisons en ce moment. Vous verrez, je vous ai prévu un tuto. J'ai fait un gabarit d'une maison. Donc d'ailleurs, ce gabarit-là, si vous le souhaitez, donc je vous en reparlerai plus longuement dans la vidéo que je ferai. Mais si vous le voulez, je pourrais vous l'envoyer par mail. Voilà, j'ai pris l'après-midi pour le faire. Parce que dès que je commençais, je me trompais. Donc je recommençais, je recommençais. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc là, j'ai le Papercraft 7, donc le bleu. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Franchement, je regrette même de ne pas en avoir pris d'autres, celui-là. Vous voyez, là, je dis. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai déjà un. C'est déjà pas mal. Il est magnifique, hein, celui-ci. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Donc, il y a toujours la fausse neige. Voilà. Et on a les mêmes... Ah bah non, on n'a pas les mêmes. Désolée. On a un joli flocon, là. Très beau. Sympa, celui-là. On a ce moule-là. Et on a celui-ci. Voilà, très sympa. Alors, celui-ci, je l'adore. Voilà, je vous laisse découvrir. Il est magnifique. Celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, j'adore. Avec les ours blancs, le fait que ce soit enneigé, tout ça, j'adore. Le pingouin. J'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup celui-là. Enfin, tout le set, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore. J'adore les sapins, là, un peu fond aquarelle, super beau. Celui-ci, je vous dis bien, ouais, je regrette de ne pas en avoir pris deux. Hein. Franchement, très beau, hein, la fenêtre, là. J'adore. Voilà. Celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Hop, je vais vous montrer les die-cuts et les papiers en format A4. Donc, les die-cuts. Voilà, vraiment dans les teintes de bleu, moi je suis fan. J'aime beaucoup. Ah, celui-là, je suis vraiment fan. Hein. Là, je le dis, c'est pas souvent, mais celui-là, ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Mon gros coup de cœur, celui-là. Voilà. Et pour finir, les papiers. Donc, A4. J'aime tout le set. Voilà. Il n'y a que ce papier-là, j'aime pas. Celui-là, ça va, mais celui-là, j'aime pas. Voilà, je le dis. Mais sinon, tout le reste, j'adore. Les branchages, là, superbe. Le boulot. Les étoiles. Flocons, là, tout autour du papier A4. Vous voyez, c'est tout autour, en fait. Et c'est blanc au milieu. J'adore.
Donc celui-ci, j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est le vert. Voilà. Donc celui-là, c'est plus nature. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Mes deux préférés, voilà, c'est le bleu et le vert. Alors, le vert. On a. Donc les fameux chipboards en bois, comme ceci, avec la petite corde. On a des planches de stickers, que j'aime beaucoup aussi. Franchement, plus, voilà, thème automne, mais j'adore. Le fond bois, voilà, et fleurs de coton. Alors ça, c'est un truc, quand j'étais fleuriste, je m'éclatais à faire des choses avec ça. C'était top pour Noël. Mes bougies. Oui, parce que j'étais une fleuriste pendant une dizaine d'années. Et j'ai arrêté le métier. Voilà, pour différentes raisons. Donc je le dis aussi pour les nouvelles arrivées, hein, voilà. Pour que vous puissiez me connaître un petit peu. Voilà, les tags. Les die cuts. Très beau aussi, très nature. Alors moi, il faut savoir, pour les nouvelles abonnées également, voilà, j'en profite, hein, vu qu'il y a des nouvelles arrivées, je suis je suis une personne qui est très naturelle. Donc dans le scrap, ça se ressent. Et j'adore, voilà, tout ce qui est nature, bois, chaleur. Et j'adore le bleu. Voilà, je suis fan du bleu. C'est une couleur que j'ai toujours aimée. Alors pour la petite histoire, quand j'étais petite, quand ma mère me demandait, voilà, ce que je voulais en vêtements ou en serviette éponge ou autre, bah, je disais jaune. C'était le premier mot qui me sortait de la bouche. Je sais pas pourquoi, mais c'était jaune. Voilà. Quelle couleur tu veux? Bah jaune. Voilà, c'était ma réponse. Et puis en grandissant, bah, ça a été le bleu. Voilà. J'aime beaucoup celui-là aussi. Les fleurs de coton, il est très très beau celui-là. Les pommes de pin, très beau. Voilà. Pour ces 7 crafts donc de chez Action. Et j'ai encore une petite chose à vous montrer. C'est des petits blocs que j'ai trouvés dans le rayon Noël. Voilà. Je pense que vous avez dû les voir. Je ne les ai pas tous pris. J'ai pris les 4 qui me plaisaient vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est des petits blocs comme ça. Vous savez, c'est des cartes qu'on peut réaliser directement voilà, en suivant le modèle. Moi, je suis pas fan de ça, mais bon, je me dis pour les die cuts, c'est sympa. Donc, je piocherai quand j'aurai besoin. Donc, celui-ci, bah, très nature, hein. Voilà, très très nature. Bon, je vous montre l'intérieur. Donc, voyez, c'est vraiment des choses qu'on peut, voilà, qu'on peut faire suivant le modèle. Moi, je suis pas fan. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, et eh ben, je piocherai dedans. Voilà, il est très beau aussi. C'est mon style, hein. Voilà, nature, chaleur, bois. J'aime, elle est très beau, les réveils là, ah, j'adore. Très très joli. Donc je passe aussi un peu vite parce que je pense que vous avez déjà dû les voir dans différents hauls. Puis bon, je voudrais pas non plus que ça dure trop longtemps, ma vidéo. Il y a celui-ci. Voilà, qui est très sympa aussi. Bon, je vous cache pas que ça remonte un peu le moral, voilà, d'avoir fait un petit tour à Action. Même s'il n'est pas bien au beau fixe, hein, mais bon, voilà. Ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai pu voir des gens, même si je ne les connaissais pas ou je n'aurais pas parlé. Hein. Mais voilà, moi, c'est ce qui me manque, ce contact avec, avec l'humain. Je reconnais ce Père Noël. Je sais où tu l'as trouvé, Marjorie. Ça y est, je sais. Parce qu'aujourd'hui, on est le 11 décembre et j'ai ouvert le calendrier de l'Avent de Marjorie. Et je reconnais quelques die cuts. Donc, ils viennent de ce bloc-là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Hop. D'ailleurs, Marjorie, si tu passes par là, je pense que oui. Je t'ai envoyé ton colis à ouvrir que le 25 décembre, hein, c'est comme je t'avais dit par SMS. Voilà, ton colis est à la poste, hein, Marjorie. Donc tu le recevras normalement, le postier m'a dit lundi. Mais bon, il m'a clairement dit qu'il y avait pas mal de colis, donc il y aura peut-être un peu de retard. Mais tu es sûr de la recevoir la semaine prochaine.
Donc j'ai pris celui-là aussi. Voilà, et je dis aussi à Sylvia, parce que Sylvia est une de mes toutes premières abonnées, voilà, que j'aime beaucoup. Et que je lui ai envoyé un colis aussi pour ce mois de décembre. Donc Sylvia, je suis désolée pour le retard. Tu sais pourquoi la raison. Voilà, je te l'avais écrit en message sur Instagram, je crois. Donc ton colis du mois de décembre est parti, hein. Ça y est, il est à la poste, hein. Je l'ai posté aussi ce matin. Donc les filles, vous allez recevoir vos colis normalement lundi, si tout va bien. Voilà, parce qu'avec les problèmes de poste. Donc celui-ci, j'aime beaucoup aussi dans les teintes de noir et doré. Par contre, c'est pas évident à ouvrir. Hop. Voilà. Et voilà, le dernier. Donc celui-là. Et le dernier qui me plaisait aussi, c'est celui-ci. Voilà, pour faire cela. En exemple, hein, bien sûr. Et après, j'aurai fini ce haul. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce style-là. Les couleurs, là, trop beau. Très, très joli. Donc, il y a des motifs que je retrouve des blocs des années passées de chez Action, comme la lanterne. Voilà, là, il y a plusieurs choses. Les serres, là, aussi. La couronne. En fait, on retrouve toujours un peu le même motif, un peu ça aussi, là, sur chaque page. Voilà, ça aussi, ouais. C'est tous des motifs qu'on retrouve dans les années passées. Bon bah voilà, ce haul action est fini. Je pensais pas trouver tout ça, donc j'étais super contente. Puis je vous dis, ça m'a redonné un coup de, ça m'a fait du bien, voilà. Même si j'ai beaucoup de matériel, mais bon, tant pis, je vais ranger. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous retrouverai donc pour le prochain tuto, donc ça sera pour recréer une petite maison. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous. Et puis bah je vous dis à demain le 12 décembre, voilà, pour le calendrier de l'Avent de Marjorie. Allez, à demain. Bye bye.